Jacques Vergne, directeur, je disais, donc, du cinéma Le Casino. En quoi le casino est le lieu de culture et d'image, et quelle est l'importance de cette culture et de ces images aujourd'hui? Alors le casino, de fait, c'est un lieu de culture et d'image depuis les années 20. Il trône là au milieu de la ville. Je ne sais plus qui faisait remarquer que, effectivement, je crois que c'est la préfète de l'Ariège qui faisait remarquer que ce qu'on voyait en premier lieu quand on arrivait dans la ville, c'était pas la mairie, c'était effectivement le casino. Moi personnellement, depuis 2003, chaque fois que je me promène dans la ville, que je parle avec les Lavelanéciens originaires de Lavelanet, tous ont des souvenirs. Liés à ce lieu, à ce cinéma, pas que cinéma, puisque c'est également un plateau. Derrière l'écran, il y a un grand plateau et avec une magnifique programmation culturelle. Voilà, donc effectivement, c'est un lieu de culture et d'image. Alors, on est chanceux, on a vu dans le film, tu disais que maintenant il y a deux salles, que matériel haut de gamme. Oui. Est-ce que, effectivement, c'était un mensonge, comme j'ai entendu dans la salle, ou on est vraiment dans la vérité? On est complètement dans la vérité, on est tellement dans la vérité que l'actualité de décembre est tout à fait surprenante, si je puis me permettre, puisque nous avons 5 sorties nationales en décembre, avec, je vais le faire voir tout simplement devant la caméra, avec donc, depuis hier en sortie nationale, Vaiana, mercredi prochain c'est Omar Sy qui arrive avec Demain tout commence, en sortie nationale également, avec le dimanche précédent une avant-première. Rogue One, là on rejoint Star Wars Story en sortie nationale le 14 décembre. Deux sorties nationales le 14 décembre avec également Ballerina, très gros film d'animation. 21 novembre, Norme, autre film d'animation. Voilà donc le grand. Décembre. Et donc le grand public, les familles ont matière à se régaler. Les tout petits ne sont pas oubliés puisqu'il y aura un petit programme Ciné-Noël pour vraiment les tout petits avec chaque semaine des programmes de films d'animation adaptés donc à ce public. Et puis, j'en profite pour parler d'un travail qui, lui, ne se voit pas, puisqu'il n'a pas lieu dans le cadre des séances publiques. C'est le travail qui est mené en milieu scolaire. Et mardi prochain, il y a les cycles 3 du primaire qui viendront découvrir, ici dans la grande salle du casino, un magnifique film d'animation. C'est le premier film d'animation européen de l'histoire du cinéma, un film des années 20, magnifique, en papier découpé, c'est de toute beauté, et qui sera accompagné par 3 merveilleux musiciens, violoncelle, saxophone alto, percussion. Voilà, une rencontre assez magique pour des enfants de cet âge. Et ils sont très gâtés à Lavelanet parce que ce n'est pas la première fois. Et donc, effectivement, il y a un travail, notamment avec les actions culturelles menées par Éclair, qui est tout à fait conséquent depuis de nombreuses années ici à Lavelanet, grâce à ce cinéma. Et puis, en fin de journée, ce mardi-là, on découvrira ces musiciens avec un autre acteur culturel, qui est la Sauce du Casino, qui nous convie donc à un concert où on retrouve ces 3 musiciens, Alta. Trio Alta, voilà, violoncelle, saxophone alto et percussion. Voilà, oui, c'est un lieu de culture et d'image. Merci Jacques.